Les autorités maliennes ont demandé à l'ambassadeur de France de quitter le pays sous les 72 heures. Une décision qui fait suite à des propos injurieux de Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, et de Florence Parly, ministre des Armées de l'armée française, après que le Mali ait demandé le retrait des forces danoises du pays. Le Mali affirme sa détermination à être un État indépendant et souverain vis-à-vis de la politique néocoloniale française en Afrique. Des tensions diplomatiques qui favorisent le soutien de la population malienne et africaine aux autorités de la transition. La France doit quitter le Mali et l'Afrique en emportant avec elle ses bases militaires et sa monnaie néocoloniale.